لقيت <متصفيق> صبحي فايزة صباح الخير رجول في الاون مراوي يدي سمحتي سنين لقيت صباحي ما سعيد عياشي ذا سلواي نسق مواغلناو ات زايرين دي, 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 نرتما دي, دي سحروي. في الدنيا رثيمه ودوده صحراوي صباح الخير فلاك لك ما سعيد عياشي عزول مرحبا بك في القناه الثانيه ما سعيد عياشي آه يعني Il y a de nombreuses victoires enregistrées par le peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Bien sûr, bien sûr. D'abord... C'est euh, le début 2024. Bien sûr, d'abord, en, en, en ce début d'année 2024, il faut noter d'abord que le peuple sahraoui est toujours en lutte. Euh, pour euh, sa liberté et son indépendance. Euh, le, il y a des engagements armés entre les unités combattantes du Front Polisario et l'armée la, d'occupation marocaine. Euh, tous les jours, il y a des engagements militaires euh, et cela prouve que le, la détermination du peuple sahraoui est entière et totale euh, de se battre euh, s'il le fallait les armes à la main et c'est le cas. Pour euh, concrétiser donc, euh, le, le but de la lutte du peuple sahraoui, euh, qui, rappelons-le, reste euh, la construction d'un État démocratique et social sur euh, le sol euh, des ancêtres sahraouis. Ça, d'une part. D'autre part, euh, il y a, euh, la, le dossier sahraoui est toujours sur euh, euh, la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, qui, tout dernièrement, il y a à peine deux mois, a reconduit la mission de la MINURSO euh, dans, euh, dans sa mission d'organiser de, de, le référendum d'autodétermination au Sahara occidental, euh, ce, qui, le, ce qui prouve que l'ONU est toujours saisie du dossier sahraoui. Et euh, comme chaque année, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui recommande l'autodétermination du peuple sahraoui. Euh, euh, en octobre Dernièrement, la quatrième commission des Nations Unies, qui est appelée la commission de la décolonisation, euh, s'est penchée sur le dossier euh, du Sahara occidental et a recommandé également l'autodétermination euh, au bénéfice euh, du peuple sahraoui. La Cour internationale de justice de l'Union européenne saisit sur l'illégalité euh, des euh, échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, le Maroc qui spolie euh, les ressources naturelles du Sahara occidental et les commercialise sous le label de produits marocains, a été attaqué en justice par le Front Polisario devant euh, la Cour de justice de l'Union européenne. Et nous attendons pour euh, euh, ce mois de juin 2024 euh, le prononcé définitif. De l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui déjà par trois fois, en 2016, 2018 et 2021, s'est prononcé en faveur du Front Polisario et a reconnu l'illégalité des, euh, des échanges commerciaux entre euh, le Sahara occidental, entre le Maroc et l'Union européenne, euh, au motif que le Maroc euh, commercialise des produits sahraouis spoliés illégalement. Et bien sûr, il y a euh, la présence de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'Union africaine, l'Union africaine qui euh, donc euh, saisit euh, du dossier du Sahara occidental et qui, euh, dans ses résolutions euh, du Conseil de sécurité en mars 2021, s'est prononcé pour euh, la décolonisation du Sahara occidental, d'ailleurs décolonisation qui est inscrite en toutes lettres dans l'acte constitutif euh, de l'Union africaine, euh, laquelle, euh, lequel acte constitutif est signé également euh, par le Maroc euh, après son retour en 2017 au sein de l'Union africaine après l'avoir quitté euh, lorsque c'était l'Organisation de l'Unité africaine en euh, 1984. Et puis, il y a cette résolution euh, extraordinaire, magnifique, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui euh, euh, s'est prononcée contre les violations des droits de l'homme au Sahara occidental et pour l'autodétermination du Sahara occidental, euh, adossée à des arguments juridiques irréfutables. Donc, vous voyez bien, si j'ajouterais que la lutte du peuple sahraoui est accompagnée par un mouvement international de solidarité euh, de, à, quasiment des cinq continents, euh, où vous voyez, vous avez des associations de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Vous voyez bien que le peuple sahraoui, euh, euh, d'abord, euh, reste déterminé et résolu à arracher sa liberté et son indépendance. Euh, en application du droit international, c'est pourquoi il euh, revendique l'organisation d'un référendum de détermination, mais aussi euh, on constate que le peuple sahraoui n'est pas seul. Il est accompagné donc par tous ces hommes et toutes ces femmes épris de justice et de liberté à travers le monde, mais il, également il est euh, dans un cadre euh, institutionnel international euh, euh, tout à fait encadré par euh, ce droit international qui euh, lui reconnaît le bénéfice de ce référendum d'autodétermination qu'il revendique. كان لو دروا انترناسيونال بنوغ الفلاس تمثال تكينيا لابليكي لا لوا انترناسيونال دوكيا اي تي ديت كان ما سعيد عياشيا سامتد كان يعني اخم نشراع اوروبا الا يمنع المروك باش هكا هذيك ما الذي تحوس هذه حوس هكا الغلات من الصحراء ومالو ثلاث مسان الصحراء ومالو يخدم هكا خير التمثال وماتشيا وعدي لنا راه يوكد القانون غير غلان يتحوس يعني الغلات كي الصحراء ومالو يخدم الوفاقات في وكذا تمورا ان اوروبا باش هكا هذه اللي التجاره ينس لا معنى استخدام دائما الغلات من الصحراء ومالو في دراوكا اخم نشرع ان اوروبا ثلاثه كوال مكن كان تروفوا فوا اخم نشرع ان اوروبا يبدد مجال من القانون الكيني عن التجاره يتواسنيا قال المروك يوك زغن تمورا ان اوروبا و اه دي جوان كي 24 نتا ندي الحكم ان قالو ما سعيد عيش السام تي داكن بوليزاريو يعني تجهد مليح دوك لا انتفريقت وذا غن انت جمعيا عن ثمرا الجناس بدنتي دار ثما وغدود اصحراوي ولا ذات مورا الجناس دا غن ما يلا ادن مسلاي يعني فمسل تكيني او نزار فان لا مكيث للي حلا فمسل تكيني زار ذي الثمنات من الصحراء ومالو اسكي انتغاس تولمون سي ابليكي للواء انترناشونال اي بارلون دو دو de l'homme euh, au Sahara euh, dans les territoires occupés Sahara euh, Polisario et Sahara oui euh, aujourd'hui bien sûr d'abord euh, si l'on parle des droits de l'homme euh, euh, et leur violation euh, dans les territoires occupés du Sahara occidental euh, Il n'y a plus rien à démontrer, tout a été dit puisqu'il y a plus d'une cinquantaine de rapports. Euh, D'ONG internationales euh, ou d'institutions telles que le département d'État américain ou le Parlement européen, avec son fameux rapport TANOC de 2013. Mais il y a aussi euh, des ONG telles que Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline, euh, beaucoup de, de la, la Fondation Kennedy, toutes qui ont conclu depuis très longtemps déjà, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, que euh, l'administration marocaine d'occupation viole. Euh, de façon massive, quotidienne, et caractérisée les droits de l'homme au Sahara occidental. Et, et donc, il n'y a plus euh, de, 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 de preuves à apporter, si l'on veut. Tout dernièrement, d'ailleurs, il y a à peine un mois et demi, euh, à Genève, il y a eu quatre cas de dossiers documentés, euh, dûment confectionnés selon les règles des Nations Unies. Euh, qui a fait que le Conseil des droits de l'homme de Genève a interpellé le Maroc sur ces quatre euh, dossiers et euh, l'a épinglé à ce sujet. Mais il faut, euh, il faut, il faut, il faut aussi euh, s'étonner, pour ne pas dire euh, être complètement stupéfait par le fait que euh, ce régime marocain qui violeurs des droits de l'homme, et je le répète, cela ne fait aucun doute, vient d'être porté à la présidence du Conseil des droits de l'homme de Genève. Euh, tout cela démontre tout, euh, tout l'anachronisme euh, d'abord du système des Nations Unies. Euh, nous le verrons peut-être tout à l'heure dans vos questions à propos euh, de Hazza. Mais euh, euh, également, euh, cette euh, incohérence euh, dans euh, les positions euh, de la communauté internationale. Euh, euh, du fait de porter un pays violeur des droits de l'homme de façon systématique et caractérisée à la présidence des Nations unis C'est comme si vous introduisiez un loup dans la bergerie, c'est comme si vous donnez un criminel la présidence d'un tribunal qui doit, qui doit juger son propre crime. Et alors, évidemment, on est en droit de se poser la question, dans quel monde vivons-nous oh, et oh. Euh, quel système euh, maintenant de justice internationale... Peut-on peut attendre euh, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU Pendant alors que je vous ai cité tous ces rapports, et, et pendant une, une dizaine d'années, euh, le même Conseil des droits de l'homme euh, n'a pas euh, initié une seule visite d'enquête dans les territoires occupés du Sahara occidental. Et donc cela m'amène à, à, à répondre à votre question à propos du droit international qui aujourd'hui. Euh, est tout simplement euh, mis entre parenthèses par euh, de grandes puissances euh, occidentales notamment, et plus précisément les États-Unis d'Amérique, euh, qui, euh, nous l'avons vu, euh, le droit international, lorsqu'il concerne par exemple le, le dossier Sahraoui, est très clair. Le dossier Sahraoui, au regard du droit international, ne fait aucun doute. Il a droit à bénéficier d'un référendum de termination, mais il attend cela depuis 33 ans maintenant. 33 ans qu'il attend que le droit international soit appliqué par l'organisation d'un référendum de détermination alors que le cessez-le-feu a été signé sur cette base entre le Front Polisario et le régime marocain, sous les auspices des Nations Unies qui sont garantes de l'application des conclusions de cessez-le-feu, des dispositions de cessez-le-feu. Mais on le, voit, on le voit en Palestine où euh, également euh, l'État palestinien est reconnu comme étant euh, normal d'être euh, érigé à côté de l'État sioniste, mais euh, les États-Unis d'Amérique, euh, d'abord évidemment l'État euh, de l'entité sioniste lui-même s'y oppose, et, et il est accompagné dans son refus par les États-Unis d'Amérique et une partie euh, des États européens, ce qui fait que le fait que ces résolutions des Nations Unies ne sont pas prises sous l'égide du chapitre 7 qui fait que les résolutions du Conseil de sécurité deviennent contraignantes, c'est-à-dire que l'État concerné est obligé de les appliquer, elles sont toutes prises sous l'égide du chapitre 6 qui laisse euh, le fait euh, à l'État incriminé, à l'État concerné de les appliquer ou pas. Et donc euh, aujourd'hui on voit avec euh, stupeur et consternation. Comment les États-Unis d'Amérique accompagnent l'État d'Israël à massacrer la population palestinienne et à s'opposer même à un cessez-le-feu, c'est-à-dire de donner un feu vert, de continuer le massacre euh, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont ils sont une des locomotives euh, dans les résolutions du Conseil de sécurité. Et, et lorsqu'on voit que euh, des pays européens majoritairement d'ailleurs majoritairement oh, euh, euh, sous prétexte que le euh, que le, a le droit de se défendre mais euh, euh, il euh, d'une certaine façon il avalise il ils il, il il acceptent le, le 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 massacre du peuple palestinien et cela est intolérable alors que lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine tout de suite on, on invoque le droit international et les droits de l'homme à ce moment là

أكايتي فكرت أني ظن بسعيد اي اشياء زول لكن مرحبا بك القناه الثانيه مره اخرى أجل. مساعد اي شيء راك تشني عقلك راس النسق نص قمو غلناو أه نغد الجزائريا يدي بدنا ارتما أه وجود صحراوي أه نكمل اول نغف في الفضائح كينيا يعني الفضيحه تكي يتكمل يعني النظام من المخزن ذي الخدمي نس أه ما يلا نهضر في تمثال تكين البيجاسوس يعني كل تمال يرنود يعني تبين انت تمثال تجديدين مثلا غماس سنيا يسفهمد ويفكاد تبوث هذاك Oui, le Parlement européen a demandé à l'Espagne une enquête complète et efficace concernant Pegasus. Oui, le scandale de Pegasus dure maintenant depuis plus d'un an, bien entendu. Euh, il, a été, a été, il a été, grâce à la justice belge d'ailleurs, wow. à qui il faut rendre euh, euh, hommage et qu'il faut saluer pour son honnêteté et euh, son engagement à, à dire le droit, à rendre la justice, ce qu'elle a fait dans le euh, dossier des relations commerciales entre le Maroc et l'Union européenne et ce qu'elle est en train de faire pour ce qui est... Du Maroc guette, c'est-à-dire euh, l'entreprise de corruption du Parlement européen, et dans l'affaire Pegasus, euh, dont elle est chargée euh, d'enquêter sur euh, les ramifications et les développements euh, de tout ce qu'a fait le Maroc pour euh, espionner ses propres alliés d'ailleurs. Et Faire euh, du chantage aussi. Alliés, euh, évidemment, dans un but euh, parce qu'il est expert en la matière, dans un but de développer par la suite, une fois qu'il a les enregistrements euh, qu'ils cherchent euh, auprès des personnes concernées, euh, d'exercer du chantage pour les amener à adopter ces euh, positions politiques, euh, bien entendu, parce que cela n'est pas fait gratuitement. Euh, il, 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 il espionne ses propres alliés pour encore plus les manipuler, pour encore plus les conditionner, pour encore plus euh, les amener à soutenir ces positions, même si elles sont injustes. Cela s'est vu avec... Euh, euh, donc, Pedro Sanchez, on sait oui, comment Premier ministre. en 2022, Pedro Sanchez a complètement renversé la position de l'Espagne qui était dans une position tout à fait euh, acceptable pour euh, l'Espagne malgré ses responsabilités historiques dans le drame du peuple sahraoui. Mais euh, Sanchez a pris le contre-pied de cette position pour adopter les thèses marocaines. Euh, on a vu que dernièrement, il. Il, depuis son retour encore euh, aux affaires euh, en tant que président du Conseil euh, espagnol, des ministres espagnols, on a vu comment euh, il, il tente de rééquilibrer les choses. Un temps soit peu, cela tant mieux, tant, tant mieux pour les Sahraouis et la cause sahraouie, tant mieux pour la position de l'Espagne elle-même. Mais euh, on, on voit, pour revenir à Pegasus, comment euh, le régime marocain euh, aidé par l'entité sioniste d'ailleurs a euh, développé, c'est auprès de l'antithéoniste qu'il a acheté le logiciel Pegasus et, et donc comment avec les deux complices comment ils ont mis en coupe réglée toute la classe politique européenne jusqu'au plus haut niveau, y compris ouais. le président Merkel et l'ancienne chancelière allemande Merkel quand tout était espionné, en plus évidemment de nombreux responsables politiques à des niveaux divers euh, de la sphère politique européenne, ils ont tous été espionnés pour qu'ils puissent être par la suite, euh, j'allais dire, manipulés, pour qu'ils puissent être conditionnés et utilisés pour soutenir les positions euh, du régime marocain sur le dossier sahraoui. اكا تمثال تكينيون يعني الصحراء ومالو يوك غن تمثال فلسطيني يعني لا يعني تمشى انت تمثال كي غير لي زونتيتي يعني غير الحكم يعني على الصهيوني يوك الحكم المخزن تمشى انت سارسي الانسان يعني لي اون سيميليتود فلاغونت اونتر لونتيتي سيونيست اي لو مخزن Il ne fait aucun doute لاشي dessus Il ne دابور aucun doute. Euh, que les deux, les deux dossiers se ressemblent beaucoup. C'est un problème euh, de décolonisation euh, pour le Sahara occidental, c'est un problème de décolonisation pour le peuple palestinien, puisque maintenant la Jordanie est aux euh, deux tiers colonisée par euh, les colons israéliens. Et il y a un problème aussi euh, d'application du droit international. Euh, euh, aussi bien pour les Palestiniens que pour les Sahraouis. Il y a euh, deux régimes criminels qui euh, oppressent, qui, euh, euh, dire, qui, qui portent atteinte euh, au peuple palestinien et au peuple Sahraoui. On l'a vu comment euh, les droits de l'homme sont violés aussi bien en Palestine qu'au qu qu Sahara occidental. Il y a d'ailleurs, même sur un plan beaucoup plus général, il y a un mur en Cisjordanie, il y a un mur au Sahara occidental. Euh, il y a un non-respect des résolutions de l'ONU euh, d'un côté comme de l'autre. Il y a le même euh, ou les mêmes euh, protecteurs euh, pour, oui. les, pour le régime marocain et pour le régime sioniste. Et donc, vous voyez que la similitude est quasi complète entre les deux. De, le... de... J'ajouterai pour revenir tout à l'heure à Pegasus, que... Euh, la justice belge dont j'ai parlé et que je ressalue encore pour la deuxième fois, euh, c'est la justice belge qui, a, euh, qui est en train de faire développer les investigations concernant Pegasus et qui a demandé à l'Espagne euh, donc euh, certaines euh, initiatives euh, à prendre pour euh, compléter le dossier de, justement, de recherche. Euh, sur la question, euh, c'est les, les mêmes juges d'ailleurs qui ont rendu euh, justice au Front Polisario en ce qui concerne les accords euh, euh, entre, le, entre le, 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 le Maroc et l'Union européenne. Et ce sont les mêmes juges, enfin les mêmes juges, la même justice, oh. qui, sont, qui sont en train d'enquêter pour ce qui est du maroc et qui a beaucoup avancé dans le dossier, euh, puisqu'on a vu qu'il y avait euh, un mandat d'arrêt contre l'ambassadeur marocain en Pologne et euh, que la vice-présidente du Parlement européen a été mise euh, en détention, etc. etc. كما سعيد <applause> عياش يا لا يعني تمشي <applause> هذا نظام السين النظام الماثيكينيا لونتيتي كينيا يوكدا غند نظام المخزن سمتي تم كيتيليو يعني تمشي هذا هند كسر في غانتي سنة سي وسعة الحكم سنت سي برداني خضان القانون ذي الدنيا تدن غالر تمسال فلسطين يميل حريش ويسين يعني مازال يعني تعديات مازال في مشرات تيليا فوكدو ذا فلسطينيه فوكدو ذا فلسطين هذه السواع ثاندا Le massacre de la population palestinienne à Gaza continue et l'ONU n'arrive pas à imposer un cessez-le-feu. L'ONU, malgré la bonne volonté en tout cas affichée par son secrétaire général, est, est tout à fait impuissante. Et, et le fait qu'elle n'arrive pas à, à, à arrêter ce massacre. Euh, comme elle n'arrive pas à, à organiser un référendum d'autonomisation environnementale, montre que euh, toute l'impuissance de, 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 des Nations Unies, de l'organisation des Nations Unies, euh, lorsqu'on sait aussi euh, l'hégémonie américaine qui y a sur le Conseil de sécurité, lorsqu'on sait euh, ce mécanisme qu'on a dénoncé tout à l'heure qui arrive à porter un pays violeur des droits de l'homme comme président du Conseil des droits de l'homme, Oh. Un paradoxe extraordinaire. Tout ça montre que le système des Nations Unies est largement dépassé. Ou en tout cas, s'il n'est pas dépassé, il, est, il, est, il ne fonctionne pas dans le bon sens euh, puisque euh, euh, l'hégémonie euh, américaine et occidentale est, est trop prégnante sur le système des Nations Unies et fait oh. qu'il euh, marche de travers, en tout cas. Euh, il y a ce deux poids, deux mesures qui est tout à fait insupportable, euh, appliqué par... Euh, ceux même qui sont en train d'avoir de, euh, de, 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 une influence extraordinaire sur les États-Unis, les États-Unis d'Amérique et, 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 et l'Europe en, en général, à l'exception de certains États, mais très minoritaires. Et, et donc, euh, euh, il y a ces deux points de mesure tout à fait insupportables, ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre, alors qu'il y a euh, la, la même situation... Euh, à apprécier et à juger. C'est ainsi que euh, donc on, on, on voit que le secrétaire général des États-Unis a beau appeler à un cessez-le-feu et c'est son rôle euh, en ce qui concerne le bombardement de la population de Gaza, non, la première puissance du monde, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, oppose oh. leur veto à, 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 à l'adoption de cette résolution euh, sur le cessez-le-feu euh, euh, c'est tout simplement un feu vert donné à l'antiterroriste pour continuer le massacre. C'est-à-dire que la responsabilité des Nations, des États-Unis d'Amérique est entière dans le massacre de la population de Gaza, puisque, d'une certaine façon, elle autorise l'antiterroriste ouais. à continuer de massacrer euh, le peuple palestinien. Et, et, et évidemment, cela décrédibilise d'abord le système des Nations Unies, puisque euh, la première mission des Nations Unies, c'est d'assurer la, la paix et la sécurité bon. à travers le monde. Et puis, cela aussi est, 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 est d'une certaine façon tout à fait incompréhensible en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, euh, lorsqu'on sait les responsabilités dans la conduite des affaires du monde, euh, elles-mêmes devant, euh, d'une façon ou d'une autre, travailler pour la résolution du conflit et non pour attiser le feu des conflits. أكام السعيد عيشيا سمتي الدكان غراو جنسي الدكلان يسوسم ذي مرة الجريمة كينيا يقدرون في <applause> قدودة فلسطينية وفي قدودة صحراوي داقن مكان يعني ويد ترى دي لي عاود نتمو عليها دي النظام كي وغراو جنسي الدكلان باش هكا دي خدم الخدمة يسمى كني مغيث الحال إيمي الدور ينسم زوارو ذا سبدد أن لهنا أنا عندي عرفت مسألة نظام الجزائر تسنى ترى يعني الجزائرية مومبر كونسي دو سيكوريتي Euh, y a, une, a plusieurs casquettes. Elle représente les, les pays arabes, l'Afrique, l'Union africaine et les pays non alignés. Euh, Yannick dzer appelle encore une fois à Kampala euh, à faire respecter et appliquer les droits internationaux pour l'autodétermination des peuples euh, palestiniens et sahraouis. L'Algérie euh, reste fidèle à, à, à sa politique. Euh de respect euh, du droit international et, et d'application aussi du droit international. Pas seulement le respecter, mais aussi l'appliquer. Et, et de ce point de vue-là, euh, cette position constante a fait qu'elle a euh, toujours dénoncé euh, euh, la non-application des résolutions du Conseil de sécurité en ce qui concerne euh, le conflit palestinien, bon. comme, elle est, euh, comme elle a toujours demandé l'application des résolutions euh, du Conseil de sécurité en ce qui concerne euh, le conflit du Sahara occidental. Ce que demande l'Algérie, c'est l'application du droit international et seulement le droit international, mais sans tergiversation, sans attente et surtout sans augmenter les souffrances des peuples concernés, en l'occurrence les peuples palestiniens et le peuple sahraoui. C'est ainsi qu'à Kampala, euh, le président de la République... Euh, 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 par la bouche de, 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 du Premier ministre, a demandé encore une fois le respect du droit international et son application euh, concernant euh, le conflit palestinien et le conflit du Sahara occidental. En cela, l'Algérie n'a pas dévié de sa position euh, traditionnelle euh, de résolution des conflits, d'abord par le dialogue, mais surtout par l'application aussi du droit et, et, et surtout de respecter euh, la volonté des peuples et euh, leur désir de liberté et d'indépendance. Euh, on l'a vu que euh, cela ne nous vaut pas que des amitiés, cela euh, peut peut-être aussi nous valoir quelques inimitiés, mais cela ne peut pas dévier notre pays de cette position, euh, j'allais dire, tout à fait euh, conforme au serment que nous avons donné à nos là, d'être toujours contre toute forme d'occupation ou euh, de colonialisme, que ce soit à travers le monde. أكان سعيد عياش ياسون تيدا كان الجزائر قلع مرت تبدل تبدل يعني الرئيس ديما في الحويوك ديك دوت انا كي كثنا في الانسان ماذا فلسطينيا ماذا صحراويا تمثل تكينيا تدافع فلاس ديما كل ما تصيح النوبة كل ما تصيح حوال ديما تتعاون ديك دوت انا دي كينيا اما فلسطيني صحراويا يعني اين يقدرون كاتورا دي غزة يعني ما الا نزمر دنيني كان يعني انا ضحني la résistance palestinienne sortira-t-elle victorieuse de ce qui se déroule actuellement à Gaza Elle est déjà victorieuse. Elle ben est, est déjà pas... victorieuse. Elle a fait trois mois qu'une poignée de combattants palestiniens euh, tiennent tête à, à une Avec des armées supposées de les plus fortes du monde et, et réputées comme étant armées invincibles. D'abord, euh, euh, une belle victoire le 7 octobre lorsque... Les combattants palestiniens donc, euh, ont pris par surprise l'armée sioniste et les services de sécurité euh, euh, sionistes. Mais, mais surtout, pas que euh, la, 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 la résistance palestinienne euh, qui, maintenant sur le terrain, euh, s'affirme chaque jour davantage, prouve prouve plusieurs choses et a remporté déjà plusieurs victoires. D'abord, elle prouve que le peuple palestinien existe bel et bien, qu'il est là et qu'il est déterminé à arracher, pas les armes s'il le faut, euh, son droit à ériger un État indépendant en Palestine. Puis, deuxièmement, surtout, elle a, elle a montré que euh, le droit international, euh, elle a fait tomber les masques des hypocrites occidentaux euh, et des États-Unis d'Amérique. Euh, en ce sens qu'il y a le deux poids, deux mesures, euh, évidemment, qui bénéficient à sioniste et pas au peuple palestinien. Euh, et ceci a amené à démasquer la violation du droit international. Elle a démasqué aussi les velléités hégémoniques euh, de, de certains États qui, ont, qui sont opposés donc à, 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 à ces selfies d'un côté, ou qui, dans des déclarations tout à fait inacceptables, intolérables, des, de certains États européens, qui ont, qui ont, qui ont d'une certaine façon encouragé l'antitationniste à continuer le massacre du peuple palestinien. Elle a démasqué aussi beaucoup de pays arabes qui, euh, de façon très imprudente, se sont engagés dans des initiatives de normalisation, mais qui, euh, maintenant, euh, lorsqu'ils recherchent la sécurité, euh, n'ont euh, récolté que l'humiliation euh, et le déshonneur, euh, alors que leur peuple, nous avons parlé des États arabes et non des peuples arabes, alors que les peuples arabes, eux, continuent de soutenir la résistance palestinienne. Elle a démontré aussi, la résistance palestinienne depuis le 7 octobre, a démontré qu'il y a bel et bien un fossé qui se creuse entre l'Occident et le Sud global. Le Sud global qui, lui, reste attaché à des valeurs que défendent, entre autres, l'Algérie, euh, comme nous l'avons vu à Kampala, euh, les, 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 les valeurs. De liberté, d'indépendance, d'anticolonialisme, d'anti-impérialisme, de non-alignement. Ça paraît à certains peut-être des principes désuets, mais en réalité, ils ont toujours pignon sur lui. Ils sont toujours présents dans la politique des pays occidentaux. C'est toujours une certaine façon de néocolonialisme à, à, à travers le monde. Et la position de l'Algérie est saluée par le peuple palestinien aussi. Tout à fait, le peuple palestinien, euh, de façon d'ailleurs euh, tout à fait euh, illustrée par des manifestations de rue et drapeau, drapeau algérien en tête, le peuple palestinien reconnaît au peuple algérien et à l'État algérien, à l'Algérie tout entière, euh, sa position constante aux côtés du peuple palestinien, ce que personne ne peut contester, puisque euh, tout récemment encore le président de la République a initié une réconciliation des factions palestiniennes, mais surtout a remis... C'est le sommet d'Alger qui a remis euh, euh, au centre des débats arabes la cause palestinienne qui a été confirmée par la suite par euh, la, la résistance palestinienne le 7 octobre euh, 2023. C'est donc l'Algérie est saluée comme étant euh, un pays réellement soutenant la cause palestinienne, non seulement par des actes, mais aussi par des paroles.

parce que une des victoires qu'a remporté la résistance palestinienne c'est euh, ces marées humaines dans les rues du monde y compris aux états unis d'amérique et dans les universités américaines. nous n'avons pas vu de telles manifestations depuis la guerre du vietnam et donc oh. euh, euh, ces manifestations ont, ont encouragé, et le président de la République a été euh, l'un des premiers, sinon le premier, à avoir appelé à déposer plainte devant la CIG contre euh, sioniste, ce qui a été fait par euh, donc des organisations non gouvernementales et ce qui a été fait aussi devant la CPI par euh, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, sioniste est interpellée sur le génocide qu'elle réalise euh, en Palestine. Et nous allons voir si la CIG, qui a été très rapide pour condamner le président de la Fédération de Russie avec un mandat d'arrêt international, est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va mettre autant de rapidité pour condamner Netanyahu et prononcer contre lui un mandat d'arrêt international comme elle l'a fait pour le président Poutine دنس مكتير ما سعيد عيشي ذي نكي نصحي ثلاث لواي نسقم أغنى وأدزيري إذا بدنا نرتم وجوده دس حراوي مجاكم دي لنا تسلوي تارتوفات إن جيت